Allez, bonsoir à tous, avec un direct qui concerne les précipitations importantes qui tombent ce soir sur tout l'est de la France, notamment en montagne. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes à Megève, à peu près à 1100 mètres d'altitude. Les torrents gonflent ce soir en direct d'une manière assez importante et la pluie n'est pas terminée. La pluie devrait continuer à tomber encore une grande partie de la soirée. Et on le voit ici sur ce torrent au cœur du village de Megève, regardez, avec cette pluie qui continue à tomber fortement. Et je peux vous dire que ce soir, les torrents ont fortement réagi en montagne, un peu partout d'ailleurs, hein, pas qu'ici. Prudence, vous êtes sur la route, attention aux routes aussi et aux éboulements éventuels. Je vous montre à quoi ça ressemble de ce côté. Voilà, le torrent est assez impressionnant ce soir, alors que la pluie continue énormément à tomber. Les torrents sont noirs. Les pluies tombent depuis 2 heures d'une manière forte, on va le préciser encore une fois. La neige, pour l'instant, est à 2200 mètres d'altitude, donc ça veut dire que l'ensemble des précipitations, ou presque la totalité des précipitations, se font sous forme de pluie et non pas de neige. Hein. Donc prudence ce soir, beaucoup d'eau, on le précise encore une fois. Regardez, quand on voit ici ce qui tombe ce soir, c'est toujours impressionnant. Alors, pas d'inquiétude majeure, mais prudence sur les routes si vous êtes en montagne. Il pleut depuis les Alpes-Maritimes jusqu'à l'Alsace, avec la partie est du Massif central, les Vosges, le Jura, et puis sur un axe sur la vallée du Rhône aussi, où les précipitations sont extrêmement importantes. Ça veut dire que ce soir, eh bien, c'est à nouveau la pluie qui l'emporte. Voilà, Sèvres nous dit que c'est assez incroyable. Alors, c'est pas du tout inquiétant en montagne, on le précise bien. Vous voyez cette eau qui tombe fortement ce soir, hein, sur l'ensemble des montagnes. Alors, on va rester prudent parce qu'il ne s'agit pas de descendre dans le torrent. Regardez comme il est noir, ce torrent. Ce qui impressionne, c'est surtout la couleur, hein, de ce torrent qui commence à bien couler, là. Regardez, on le voit très bien ici, au sortir de ce petit pont au cœur de Megève, la Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude. Température fraîche, 8 degrés. Et une température qui va continuer à descendre. Voilà, dans les Hautes-Alpes, ça n'arrête pas de tomber, nous dit-on. Vous voyez, on est toujours en direct depuis Megève avec cette eau qui continue à tomber. Et puis surtout, le bruit de ce torrent qui est assez impressionnant. Hein. Puis la couleur, on va bien la montrer, la couleur du torrent ici. Vous voyez, on va s'approcher un tout petit peu ici pour montrer à quoi ça ressemble. Nous sommes en Haute-Savoie, à Megève encore une fois, avec ce petit torrent qui a commencé à réagir. On va s'approcher un petit peu, pas trop évidemment. C'est la couleur qui est assez impressionnante, c'est noir, hein. Ça veut dire que l'eau a beaucoup tombé et surtout que ces torrents ont réagi. Alors prudence encore une fois en montagne. Et c'est vrai que quand on va à Megève en été et que maintenant c'est un petit peu différent. Vous voyez, on est au cœur du village, on va remonter un petit peu ce torrent ensemble. Alors qu'on le voit ici, la pluie tombe partout, vous voyez à quoi ça ressemble. Hein. C'est de l'eau, c'est carrément de l'eau qui tombe d'une manière assez importante. Bonjour, on nous dit depuis, il pleut fort dans le Chablais aussi, en Savoie, donc la Haute-Savoie. Nos amis suisses sont touchés aussi, on le précise encore une fois. La neige descend jusqu'à 2000 mètres en Savoie. Elle va descendre demain. Demain, nous serons en direct, encore une fois, pour suivre la neige. Ce soir, c'est la pluie qui domine. On avait besoin d'eau, mais écoutez, on est gâtés, puisqu'on va le préciser, en à peu près une quinzaine de jours, un petit peu moins, on vient de récupérer à peu près 150 mm d'eau ici. Alors, Dominique nous dit qu'à Pornic, évidemment, on a beaucoup ramassé, on le sait. Hein, et on sait que les tempêtes vont revenir, encore une fois, la tempête Sioran qui va revenir. Et je vous montre un peu le torrent ici. Hein, et ça coule, hein, ça coule de manière très, très impressionnante ici ce soir. Et on aura bien sûr encore de la pluie qui est annoncée pendant plusieurs jours ici sur les Alpes. La neige qui va descendre. Martine nous dit qu'à Paris, c'est la même chose. Il a plu toute la journée. Bonsoir de Fréjus, bonsoir à tout le monde, Cyril. Vous voyez, donc toujours en direct depuis Megève, on voit écouter les lumières de Megève. On n'a pas encore le sapin, on le verra bientôt le 2 décembre, le sapin de Noël ici. Mais quand on voit effectivement le torrent ici, c'est vous dire si les pluies ont été fortes. Effectivement, ça fait du bruit aussi. En Gironde, ça n'arrête pas aussi, hein, soyez prudents. Merci Dominique, on va rester prudents évidemment, on est au bord. Hein. Regardez ici, il n'y a pas de risque. Et on entend cette pluie qui tombe, cette eau qui tombe de tous les côtés, qui dégouline de tous les côtés et qui s'engouffre ici, sous ce petit pont ici. Voilà. Merci Monique aussi. Et c'est un peu partout qu'il pleut. Alors la seule région qui a été pour l'instant épargnée, on va le préciser, c'est le Roussillon. On précise encore une fois que le Roussillon,
n'a pas eu de précipitation depuis, depuis le début de ces précipitations, vous voyez. Alors je vous montre dedans, je vous le fais écouter, il est assez impressionnant. Bonsoir depuis Marseille, sous la pluie également, et les Marseillais en avaient besoin. Dans l'air, c'est pareil, me dit Marielle. Marité, pardon, c'est gentil à vous. Vous voyez le torrent ici, regardez à quoi ça ressemble. Voilà, on va rester prudent, évidemment. Faire attention que le smartphone ne tombe pas dans l'eau, parce que là, à mon avis, s'il tombe, c'est fini. De la pluie, donc, une pluie qui a été attendue depuis longtemps, hein. On sait qu'aujourd'hui, les nappes phréatiques en ont besoin. On peut dire d'une manière certaine que sur la totalité de la France, eh bien, les nappes phréatiques ont tendance à remonter. Pas partout encore. Pas encore partout tout à fait bon, mais un peu partout quand même, sauf le Roussillon, encore une fois. Brigitte nous dit qu'elle pense à nous depuis Fontainebleau. Ah bah c'est très gentil, une haute savoyarde, effectivement. La maman de Delphine est en Charente-Maritime et elle se prépare pour la tempête de mercredi. Alors oui, on rappelle que mercredi, cette tempête Cioran va toucher d'abord l'ouest de la France et puis ensuite plutôt le nord de la France. Mais on sait qu'à l'intérieur aussi, il pourrait y avoir évidemment des problèmes. Prudence encore une fois. Je crois qu'on va passer cette semaine, je crois, j'en suis même sûr, ce sera la pire semaine, si on peut dire, au niveau météorologique cette semaine, avec du vent, de la pluie, une ou deux tempêtes, et probablement une encore samedi encore. J'ai vu qu'ils annoncent tempête mercredi, nous dit Isabelle, et jeudi sur la France. Oui, effectivement, on a vu les modèles. On va rester vigilant. Jeudi, une tempête qui pourrait atteindre les 150 km/h. C'est-à-dire si cette tempête pourrait être forte. Alors, elle sera normalement bien au-deçà de celle de 1999. À Fécamp, un temps pluvieux, 10 degrés. Bah, écoutez, Roger est sympa de nous donner cette information. À Megève, il fait encore doux ce soir, 8 degrés, 7 ou 8 degrés. Avec cette pluie qui continue à tomber, on entend sur le parapluie. On n'entend pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi, évidemment. Coucou de Lyon, bonne soirée à tous, nous dit Nicole, merci. Bonsoir de Toulon, sous la pluie aussi. Écoutez, nos amis de la Provence avaient besoin d'eau. Ils en ont. Alors, ces torrents vont alimenter, évidemment, l'Arly, qui est pas loin d'ici, qui va se jeter dans l'Isère, qui va se jeter dans le Rhône, en Méditerranée. Et tout ça est bon pour les barrages et c'est aussi bon pour la saison d'hiver qui va arriver, notamment pour les canons à neige, les enneigeurs, comme on dit. Vous voyez cette couleur d'eau ce soir, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Bonsoir du Jura, nous dit Didi, merci beaucoup. En tout cas, c'est très sympa. Et puis on voit les établissements qui sont ouverts encore ce soir ici à Megève. Heureusement d'ailleurs, cette eau qui continue à tomber de tous les côtés. Je peux vous dire que ça tombe de partout. On va remonter un petit peu le torrent ici, jusque sous le petit pont qui est là-bas. Vous voyez ? Donc prudence encore une fois sur les routes ce soir, la pluie devrait continuer à tomber largement encore une grande partie de la soirée. Bonjour Stéphane de la Vallée Verte, on attend la pluie, nous dit Marie du côté de Maria du côté de Rome. Oui, je crois que les Italiens auront de l'eau aussi. Beaucoup de pluie dans le Jura et puis beaucoup d'eau dans le Jura, nous dit Claudette aussi, vous voyez, départements qui sont touchés ce soir par la pluie. Le Jura, le Doubs, on le rappelle encore une fois, jusqu'en Alsace et les Vosges, évidemment. Nous sommes à Megève, 1100 mètres d'altitude, avec de la pluie depuis à peu près 3 heures. Et ce torrent, il y en a deux à Megève, hein. Ce torrent, regardez, qui est assez impressionnant, on le voit très bien ici, qui coule fortement et qui est donc annonciateur, encore une fois, de pluies qui vont continuer à durer pendant quelques heures. Et demain matin, la neige devrait descendre jusqu'à 1700 mètres, ça devrait calmer un petit peu les torrents. Hein. Regardez à quoi ça ressemble ce soir ici. Le torrent qui s'engouffre ici dans le centre du village de Megève. À Lisbonne, ça dégringole depuis 15 jours. Et dit Nicolas, c'est le bonheur, évidemment, nos amis portugais qui avaient besoin d'eau, comme les Espagnols d'ailleurs. Je crois qu'on a été gâtés ces derniers temps par ces précipitations qui étaient très attendues, on le rappelle encore une fois. Donc de la pluie ce soir, et cette merveilleuse... marieuse couleur ce soir avec cette pluie qui tombe encore une fois et puis ce torrent. Alors là je peux vous dire que là ça y va, hein. Là ça y va et on va aller sur le petit pont, regardez qui est ici, on va le montrer ce petit pont et la pluie tombe toujours, ce magnifique petit pont sur lequel je suis ici. Jean-Luc nous dit que nous avons enfin un peu d'eau sur Perpignan. Oula, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Jean-Luc qui habite Perpignan, cette belle capitale
de la Catalogne du Nord et du Roussillon, on aime beaucoup les régions dans la place du village, eh bien, on sait qu'on manquait d'eau. Hein. C'est la seule région, le Roussillon, qui n'a pas été touchée, par ces précipitations importantes. Je vous montre à quoi ça ressemble ce soir. Eh bien, tant mieux s'il a plu un petit peu sur Perpignan. Ça devrait continuer. Regardez à quoi ça ressemble ici ce soir. Oui. Je vous dis, il y a du vent. La température est en train de baisser, hein, je peux vous le dire. On va rester prudent, Dominique, évidemment. Du côté de Carnoules, dans le Var, il pleut aussi, nous dit-on. Regardez à quoi ça ressemble ce soir. C'est pas le déluge, mais ça ressemble quand même. Et puis surtout, ces torrents qui sont gonflés, cette pluie qui continue à tomber, cette température qui commence à descendre. C'est l'automne, c'est sûr, c'est certain maintenant. Eh bien, demain, sur cette page, vous verrez probablement en direct, ou mon jumeau ou moi, on verra les premières chutes de neige. C'est vous dire si on est passé de l'été, on a connu un été durable, rappelez-vous. Vous voyez, cette pluie qui continue à tomber. Eh bien, on va passer directement, ou presque, à l'hiver. Demain, nous serons en altitude. Demain, regardez cette belle place du village de Megève qu'on va découvrir ici. Le sapin va arriver le 2 décembre. Ce sera un grand, grand, grand moment. On en reparlera. Il a beaucoup plu, Geneviève, sur le Nord-Isère, nous dit-on. Vous voyez, là, on va se balader un petit peu rapidement. On ne va pas rester trop longtemps, évidemment. Et on retrouve ce torrent gonflé ici à Megève par les précipitations qui continuent à tomber fortement. Prudence sur les routes parce qu'on sait qu'en montagne, quand il pleut, il y a parfois des rochers ou des glissements de terrain. C'est tout à fait normal d'ailleurs, ce n'est pas du tout exceptionnel. Tout à l'heure, on me demandait si la sécheresse était terminée. En montagne, oui, on peut vous garantir qu'il n'y a plus de sécheresse du tout. Le préfet a envoyé un message de Haute-Savoie aujourd'hui en disant qu'il y avait encore des restrictions, mais qu'apparemment, ça allait beaucoup mieux. Je ne vais pas à la maraude de Fréjus ce soir. Il pleut, nous dit Cyril, il pleut effectivement sur Fréjus, dans le département du Var. On est ici à Megève, en direct. Il est 19h03. Il pleut, regardez un petit peu, on voit les toits qui brillent là-haut, quelques sapins qui dégoulinent ici, et cette eau qui continue à tomber ici ce soir. On attend aussi, on espère en tout cas, les premières pluies en Algérie, évidemment, on vous le souhaite. Quand ça fait des bulles, c'est pas fini, il y en aura d'autres. Bonne soirée, nous dit Monique, effectivement. Voilà les voitures qui passent ici, qui circulent encore une fois dans le village avec cette eau qui tombe. On le voit ici sous le lampadaire. On va essayer d'aller voir un petit peu plus haut le torrent, mais il n'y a pas beaucoup de lumière ici pour le voir. Je peux vous dire que là, c'est froid. Le torrent est noir. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. On devine le torrent noirci et puis cette eau qui continue à tomber de partout. Prudence, encore une fois, ce soir sur les routes. Dans tout l'est de la France, on rappelle que ça part des Alpes du Sud. On a de la pluie aussi en Provence, on a vu tout à l'heure. Cette pluie remonte sur toutes les Alpes. L'est du Massif central, on peut vous dire aussi que la Bourgogne a été touchée aussi, et la vallée du Rhône aussi, la Drôme, l'Ardèche qui avait besoin d'eau ont été touchées, les Cévennes aussi, et puis cette eau qui continue à tomber. Alors je peux vous dire que ça tombe bien ce soir, température fraîche, et cette pluie qui remonte sur le Jura, qui remonte ensuite sur les Vosges, et nos amis proches du Valais sont touchés, il neigeait tout à l'heure en Gornorgrat, certes en altitude. Et puis cette pluie qui touche encore une fois la Lorraine ce soir aussi et qui va s'évacuer dans la nuit vers l'est, mais qui va revenir demain sous forme d'averse. Et cette fois-ci, demain, nous aurons en montagne un rafraîchissement avec de la neige. De la neige qui va tomber, allez, on l'annonce au-dessus de 1700-1800 mètres. Et surtout, on aura bien sûr la tempête Sioran qui touchera moins les Alpes, encore une fois, mais qui apportera un rafraîchissement et beaucoup, beaucoup de neige en altitude, notamment au-dessus de 2000 mètres, où on pourrait avoir plus de 50 cm. C'est un bon début, on va le dire, pour les stations de sport d'hiver qui vont engranger de l'eau avant la neige qui va tomber en altitude. Et toujours à Megève, en Haute-Savoie, donc. Et ce torrent-là, qui est torrentueux, c'est le cas de le dire ce soir. On va saluer les commerces qui sont ouverts ce soir. On est quand même en intersaison, malgré tout, ici. Et on a aussi cette eau qui tombe, et qui n'arrête pas de tomber. Donc le torrent va continuer à monter, mais encore une fois, c'est normal ici. On n'a pas de soucis, même si c'est impressionnant, regardez. Hein. Je vais quand même vous le montrer. Cette eau qui coule. Toute cette eau serait bien dans des bassines pour faire de la neige. Et oui, effectivement, Gaston. Vous voyez, Megève, la Haute-Savoie ce soir, on va vous laisser parce que
La température baisse, regardez l'eau qui coule ici. La température est probablement en train de baisser, même c'est sûr, on doit être à 7-8 degrés maintenant. La neige était à 2200, elle sera encore plus basse sur les préalpes. Il y a du vent qui se lève, il y a de la pluie qui tombe. Et j'ai pas très très chaud pour rien vous cacher. Ah Sébastien, tu aurais au moins pu faire une descente en rafting. Alors le rafting, ça me fait rire parce que faire du rafting là-dessus, Sébastien, si tu veux, tu n'es pas très loin, viens et puis je te passerai une bouée pour le faire. Parce que c'est vraiment ce soir, pas le jour à faire du rafting. En tout cas ici, ce torrent ici qui est, on voit très très bien ici, très alimenté, très noir, hein, mais normal, hein, on est en montagne. Hein. Il faut savoir que ce qu'on voit ici, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de risque d'inondation, quand même pas. Mais on sait que c'est un torrent qui réagit fortement aux précipitations et qui va descendre dès que la pluie va s'arrêter. Alors j'ai un bon parapluie, Dominique, voilà le parapluie qui est là, regardez. Le parapluie coule, le parapluie dégouline, la pluie tombe. Je peux vous dire que c'est des conditions d'automne. Ça, c'est vraiment l'automne. On attendait, on l'a. Bonsoir de l'Ardèche, nous dit Claudie. Il a dû pleuvoir aujourd'hui, évidemment, sur l'Ardèche. J'espère qu'il ne va pas monter trop. Non, Monique, le torrent va peut-être monter encore un petit peu, c'est probable. Hein. Mais pour l'instant, c'est normal, encore une fois. Tout est sous contrôle. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Simplement, la prudence et la rigueur quand on est sur les routes en montagne, hein, parce que cette pluie peut faire décrocher des rochers, des petits morceaux de terre, de cailloux, et ça peut évidemment causer quelques problèmes de circulation. Prudence, encore une fois, en montagne, dans l'ensemble des montagnes, depuis les Alpes du Sud jusque dans les Vosges, en passant par les Alpes suisses, nos amis tout à fait à côté d'ici. Le vent se lève, je ne sais pas si vous le voyez, la pluie continue. Et la température descend. Voilà, demain, direct, pour vous me parler, probablement, on l'espère en tout cas, vous montrer les premières neiges. Nous serons en direct demain sur ces premières neiges, demain, qui devraient tomber à 1700 mètres d'altitude et qui devraient descendre jusqu'à 1000 mètres le week-end prochain, alors que ce soir, eh bien, c'est la pluie qui domine. Merci à vous pour ce direct. Regardez, je vais vous montrer un petit peu la pluie qui tombe, parce que là, cette fois-ci, c'est plus calme. Mais ça tombe de tous les côtés, et ça ruisselle, il y a du vent, la température baisse. Je peux vous garantir que là, on est à l'automne. Et dans trois jours, on sera en hiver, puisqu'on attend la neige ici, on le précise. En fin de semaine, là où nous sommes, la neige tombera en fin de semaine. Regardez, cette pluie qui tombe ici, on la voit tomber fortement, encore une fois, sur l'ensemble des massifs alpins, tout l'est de la France, qui est touché par ces précipitations. Ce sont des précipitations qui sont soutenues, hein. Il n'y a pas d'orage pour l'instant ici, mais ce sont des précipitations qui sont assez fortes quand même. Vous voyez, on voit très bien ici, ça continue, on va se diriger vers le torrent sans s'approcher, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'aller vers le torrent. On rentre dans l'hiver avec de la pluie, de la neige et du froid, nous dit Jean. Effectivement, c'est une bonne nouvelle, hein, puisque les saisons se font à nouveau, rentrez vite. C'est vrai que j'ai les mains qui sont un peu gelées. Vous voyez, on ne va pas s'approcher du torrent ici, il est là. Je vais vous le montrer d'ici. Alors voilà le torrent. On le voit ici. Cool, on l'entend. On entend couler. Il est assez furieux quand même. Hein. Il est assez furieux. Et on le voit bien ici. Regardez comment il est. Il est noir. Voilà comment on termine ce direct avec ses couleurs. Avec ses couleurs d'automne. Et puis surtout, on a changé d'heure. Donc maintenant, il fait noir beaucoup plus tôt. Vous voyez, ce torrent qu'on voit ici, on va finir là-dessus. Merci pour vos reportages. Mes enfants sont en France et en Suisse. Et grâce à vous, je me tiens au courant de la Belgique. Merci Isabelle. Ah, c'est très gentil à vous en tout cas. Alors, rassurez-vous pour les enfants, il n'y a pas d'inquiétude. Hein, parce que les pluies en montagne, on est habitué. Les torrents qui réagissent, on est tout à fait habitué. Il n'y a aucun problème. Même si ça peut être impressionnant avec cette couleur très noire. C'est tout à fait normal. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de l'eau. On en avait besoin. Et on aura de la neige. Et on en aura besoin. Belle soirée. Merci à toutes et à tous. À très vite pour d'autres directs, pour suivre le temps qu'il fait un peu partout en France, mais surtout en montagne. Belle soirée et à très très bientôt. Regardez comme c'est beau ce soir. Bientôt les guirlandes de Noël. Je dois vous dire qu'on a un avant-goût d'hiver ce soir. Hein. C'est pas d'hiver, mais un avant-goût quand même. Merci et très belle soirée à vous tous.